Bonjour à tous mes pandas, salut c'est Natek, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode, c'est épisode 3 de SimCity. Donc là on va réactiver le monde, le temps, et on va le mettre en triple vitesse pour que ça commence à avancer. Donc je vous propose, on m'a dit, le cercle n'est pas très droit. Ça se dit pas. Oui, bon bah, d'accord, ça se dit peut-être pas, mais on m'appelle pas le panda pour rien, hein. Je suis vraiment crétin. C'est pas très grave. Là, le but, ça va être de régler notre histoire. Et on va se baser sur ce cercle, vraiment très sympa. Et on va essayer de tout gérer autour de ça. Et on va s'occuper, en fait, regardez, on va passer... voilà. Et on voit que les zones sont pas spécialement grandes, puissantes. Donc on va s'occuper de régler ça. Donc ça va être de faire vraiment tout augmenter, quoi, de monter la puissance du terrain, mais on va vraiment s'occuper de ce qu'on a déjà construit pour faire revenir un max de riches, et ensuite on s'occupera du reste. Donc là vous voyez, ça commence déjà à grandir. Ici on a des parcs, on a des grands parcs de 3, donc on peut les agrandir mais très facilement, voilà, juste au bout. Et c'est monstrueux, des trucs comme ça, c'est voilà, ici on va en mettre un. Hop. On va sortir de celui-là, on va rentrer dans celui-là. Hop. Donc je commence à gérer un peu mieux la licence, hein, quand même, au fur et à mesure que j'y joue. Je ne m'en lasse pas, faut le savoir. Malgré ce qu'on pourrait dire sur le jeu, on s'en lasse difficilement. Donc là, on peut en placer deux, hein, on peut se faire un petit kiff. Bon, les parcs seront donc bien plus grands, hein, mais... on a quand même mis une clinique, hein, c'est pas mal. Donc là, on va sortir de ce mode-là, et vous voyez, regardez, ça construit déjà direct. C'est... Là, ils sont bonheur, mais maximum, hein. Ce qui me rend mécontent, où sont les boutiques dans cette ville? Alors oui, ce qu'on va essayer de faire, nous, de mettre en place, c'est une équivalence entre les boutiques et les habitations... ce qui nous permettrait de réguler un peu tout ça, de rendre un peu joyeux tout le monde. Hop, non, on va essayer de faire passer, regardez, juste au milieu là. Voilà, et ici, parce que j'ai pas envie, voilà. Et donc du coup... Et voilà, déjà je me perds puisque j'avais dit que je ne continuerai pas les routes tant que je n'avais pas augmenté le bonheur de tous. Bon, c'est pas grave. Puisque ça va nous permettre par exemple d'augmenter ce parc là. Mais pas sur la bonne partie que je voudrais. Voilà. Ah, ça va détruire une... Ah, ok. Voilà, regardez-moi ça. C'est magique quand même. Tout ce bonheur, tout cette envie... non, je déconne. Et on va... Regardez. On va renommer... on va renommer la ville. On va l'appeler Panda Sous-Bois. Alors, hop. Voilà. Panda Sous-Bois. Parce que c'est pas mal. Voilà. J'ai eu le temps de réfléchir au petit nom, hein, pendant la pause. Voilà. Et là, on va poser... Tout ça, ici... Et ici, puisque c'est ce qu'ils ont envie. C'est pas forcément la demande, mais comme il y a une demande quand même de certains habitants d'avoir des boutiques, c'est peut-être mieux d'en placer. On sait jamais. C'est toujours mieux. Donc là, on va se replacer. Donc là, la clinique, je suppose qu'elle commence à être... voilà, soigner 10 patients. 10 patients, ça veut dire qu'elle est pleine. Donc on va augmenter de ça. Et on va leur... Eh ben, il n'y a plus d'argent. On leur a mis une aile supplémentaire, c'est déjà pas mal. Eux, on va leur dire que c'est pas possible. Mais il me faut du travail. Non merci, puisque je n'ai pas envie de placer de zone actuellement industrielle. Donc là, vous voyez ici, on a la décharge ici. Lui, il doit pas être très content, lui. Ouais, il est content quand même. Je crois que j'avais placé une école. Pourquoi j'aurais placé une école? Il y a aucune école ici. D'accord, on est d'accord. Le mieux, ça serait de placer l'école pour instruire les élèves.
C'est une occupation comme les autres. On sait jamais, ça peut être bueno. Buenos Aires. Vanne de merde, direction la cordelette. En tout cas, j'espère que j'aurai eu le temps de vous sortir toutes mes vidéos de fin de semaine, puisque j'ai dû en annuler certaines. Enfin, surtout une, celle du mercredi. Bon, c'est pas très grave, hein. En tout cas, j'espère que j'aurai eu le temps de vous proposer celle-ci, puisqu'elle fonctionne vraiment bien, ça vous plaît. Donc, je me permets de vous la proposer en temps et en heure. Je ne sais même pas si ça fonctionne bien l'enregistrement, bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, donc là on a vu, c'est bon, en train de soigner 11 patients, elle peut en accueillir 25. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. on voit quand même que ça augmente, hein. Ça arrive tranquillement. On n'a plus un excédent assez important pour... pour voilà quoi, donc un excédent d'électricité important, pas très grave. Là vous voyez, on a déjà soulagé une partie de la décharge qui faisait une zone rouge grâce au parc. Le mieux, c'est qu'il va falloir qu'on place un parc ici, juste ici, hein. C'est vraiment un gros kiff. Mais des parcs 3 étoiles. Voilà, il est pas très énorme, mais on va pouvoir... nous le continuer à notre façon, donc c'est l'essentiel. Voilà, comme ça, de côté. Hop, et regardez-moi ça, voilà la grande zone qui se fait tout de suite. Bon, ils sont pas tous verts partout, ça va venir. Ce qu'on peut faire ici, c'est en placer un juste à l'extérieur de la ville. Voilà, comme ça. Vous voyez, ça fait des petites taches bleues, hein, pas forcément sur une zone importante, mais juste sur un endroit, hein. Et voilà. Et du coup, après, on peut faire ça comme ça directement. Donc là, le problème, c'est que vous voyez, on a toute une zone verte là dont on s'est bien occupé, sauf que celle-ci, on n'a pas fait grand-chose. Donc, on va s'en occuper tout de suite, puisque sinon, on va vite se retrouver à nu. Puisque c'est mieux qu'il s'augmente tout de suite, comme ça après ça nous laisse un peu de temps pour réfléchir à ce qu'on va faire après pendant que eux construisent leur building, etc. Regardez, voilà, là ça vient tout de suite. Là les petites maisons d'en bas sont pas touchées, donc on va mettre rapidement un tout petit, comme ça, et directement, voilà, on a touché une partie des maisons du bas, pas toutes, mais... c'est pas très grave, on va sortir de ce mode qui est super sympa. J'avais déjà oublié qu'on avait placé le ministère. Un ministère, c'est pas mal. Vous voyez, là on a plus que 1000 habitants et on a 50 habitants résidentiels de faible densité. De faible densité, pourquoi? Parce que je n'ai pas dû augmenter toutes les routes. Attendez, je regarde. Non, bah, c'est que non, c'est parce qu'elles sont encore en maison, voilà, elles sont pas encore en immeuble. Je vérifie juste rapidement si ça ne vous dérange. Ah, voilà. Si ça ne vous dérange pas, voilà. Je me disais que j'avais pas assez d'argent pour tout faire. Puisque si on augmente pas la route, bah on peut rien faire, quoi. Donc, mais là, ça va être un gros avantage. Vous voyez, toute cette route, c'est qu'on peut l'augmenter en densité élevée, avenue à tram. Ce qui nous permettra de refaire cette avenue-là après, le plus facilement possible, ou même juste un tram, là, qui traverse la ville en bas, c'est possible. C'est possible, on verra ça par la suite. Donc on peut voir, ça se construit tranquillement, qu'est-ce qu'ils veulent. Je vais me débarrasser de ce taudis et acheter la maison de mes rêves. Eh ben mon grand, je te laisse faire, tu me feras gagner plus d'argent. Je crois avoir vu de la fumée par là... C'est Domaine Baudin, mais voilà, là le jeu étant faible hein, chez moi. Et pourtant il est juste bueno et super addictif, je ne m'en lasse pas. Là il me demande beaucoup de zones là. Alors il faut savoir que je ne vais pas placer ça tout de suite puisque j'ai besoin vraiment... Quand je vous dis qu'on va s'occuper de toutes les zones, c'est vraiment jusqu'au bout. Hein. Ça veut dire on va faire en sorte qu'on ait tout réglé. On va juste attendre pour placer les pompiers. Pas se retrouver couillonné. Attendez, faut que je sorte de ce mode. Hey, voilà. Et là, il va me demander une caserne de pompiers. Bon, c'est aussi bien. Mais t'as vu la tête de ta maison, mon grand?
Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, on va pouvoir la placer. Pas très loin de chez lui, comme ça. Pépère. Et les bâtiments se reconstruisent immédiatement juste à côté. On n'a pas besoin de replacer la zone. Alors, ce qui me rend mécontent, à l'aide. Au feu, à l'aide. Où sont les boutiques dans cette ville? Alors, les boutiques, il y en a un. Les boutiques commencent à arriver, sauf qu'elles sont spéciales pour le niveau de richesse. C'est-à-dire qu'un niveau de richesse 1 ne va pas aller dans une boutique de richesse 2. Hein. Donc, il faut qu'elle soit au niveau. Donc, là, c'est pour ça qu'on essaye d'augmenter tout pour ne pas retrouver certaines parties déséquilibrées. Limite on va se retrouver avec une carte qui sera tout en vert, ça serait peut-être bueno, ça peut être sympa moi je pense, parce que regardez, là on a commencé à faire un peu partout, je réfléchis en même temps que je vous parle, on peut augmenter ça, ça peut peut-être jouer un rôle essentiel, attendez on va regarder ce que ça a fait. Ah oui, c'est même assez sympa ce que ça a fait, puisque ça augmente devant, et là sur cette partie là, bon là il y a un gros cercle qui n'est pas vert, bon c'est dommage, parce que du coup là aussi ça va toucher la caserne, ah bah elle est morte, ah elle est morte, j'ai pas eu le temps de te sauver mon grand, voilà, on va détruire notre maison, c'est pas grave, alors qu'est-ce que tu me demandes mon grand? Le camion de pompier atteint le dernier incendie. Il était juste à côté de votre truc, hein, c'est pas grave. Prenons une alarme incendie pour raccourcir. Alors, on va voir si on peut placer. Donc, pour placer, voilà, on rentre dans le menu. Bon, après, peut-être que vous connaissez hein, beaucoup des fonctionnalités. Et après, moi, c'est un petit plus pour moi de me permettre de vous en montrer certaines. En vous l'expliquant au plus que je puis. Je dis n'importe quoi. donc là, par contre, faudra qu'on fasse super gaffe à tracer la route identiquement. On peut le faire puisque vous avez vu qu'on avait... j'ai placé la caserne. Quel con. Quel con. Mais quel con. Je me disais bien qu'à côté d'un carrefour, ça allait pas. Bon. Regardez, c'est mythique ce qu'on va faire. On vient de la poser, mais tu me déranges. Et c'est fait. Voilà. J'y crois pas que c'est ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave, hein. Pas assez de Sims Fluse. Eh ben, si t'as pas de Sims Fluse, tu vas placer ça, parce que si t'as pas assez de Sims Fluse. Allez, du coup, j'ai perdu ma ligne droite. Merci, mon grand. Ah. Et avec ça, est-ce qu'on la retrouve? Non, non plus. Ça, c'est droit. Pas essayer de Sims Fluse. J'aime bien le dire comme ça. Pas essayer de Sims Fluse. Je suis sûr que ça vous plaît pas. Je suis sûr que ça vous plaît pas du tout. Bon, c'est pas très grave. Vous n'avez qu'à me dire. Voilà, là on a une route. On va commencer à placer ici, du coup. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. On va placer des habitations. Ça sera un petit plus pour nous. Donc voilà, ça commence à construire. Regardez, on va zoomer un tout petit peu. C'est sympa. C'est pas le réalisme de Cities XL, parce que Cities XL est beaucoup plus avancé sur ce point. Mais personnellement, je ne reproche pas ceci à... au jeu. Attendez, on va essayer de faire une ligne droite parallèle par rapport à l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va essayer de pas se foirer. Je mets des doigts sur mon écran pour... Hop. J'aimerais même prendre une règle, vous savez. Bon, c'est pas grave. Voilà, et là, l'avantage, c'est qu'on va placer avant la nuit les zones. Et on va mettre, voilà, du résidentiel. Et qui est de haut niveau, je pense. Enfin, on doit pas être très loin du haut niveau. Voilà, il manque une partie. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave parce que ça construit quand même de façon importante. On va juste placer un parc et attendre par la suite. Voilà, à l'endroit où il n'y a pas. Voilà, c'est parfait.
On a plein de parcs, mais c'est pas désavantageux, c'est... Par la suite, ça va nous aider. Et au pire, on se débrouillera pour faire autrement. Alors là, en rouge, hein, je suis quand même en rouge. Pas assez de consommateurs de richesse moyenne. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'entreprises de niveau moyen. Et on a des entreprises qui brûlent. Bon, c'est pas très grave. C'est quoi ça? Ah, c'était une urgence. J'ai vu une urgence passer. Donc là, on va attendre pour pouvoir replacer l'incendie. Puisque du coup, bah, comme j'ai détruit pour tracer le chemin. On va attendre, hein. C'est... Regardez. C'est juste beautiful. J'adore ce jeu. Je ne sais pas combien de temps va durer cet épisode, puisque je n'ai pas mis mon chrono. On va faire au feeling, puisque c'est l'épisode du feeling. Voilà. en tout cas, on va avoir une bonne circulation dans la ville. Regardez, puisqu'on a... La route est un gros avantage. La route qu'on a en bas est un gros avantage. Bon, celle-ci n'est pas droite. C'est pas très grave. C'est un peu grave, en fait, si, parce que ça n'est pas droit du tout. Bon, c'est pas grave. Mais là, on pourra mettre un tram, voilà, tout en bas. Et en fait, ça va nous permettre de... Voilà, de... D'être bien. Ah, je vais pouvoir replacer Monsieur Incendie. Alors, où est-ce que je vais te mettre? Un endroit où tu casses pas trop de maisons. Voilà. Ici. Alors, service de pompiers pour les voisins. C'est-à-dire qu'on peut donner certains de nos camions de pompiers à envoyer dans les autres villes. Comme celle-ci que je n'ai toujours pas avancé. Et je ne compte pas les envoyer puisqu'actuellement j'en ai besoin. Énormément. Voilà. Donc là, on détruit ça. Celle-ci est en feu. Si les pompiers ne se grouillent pas, ils sont en train de tout faire cramer. Et il y a toute la résidence qui brûle. Hein. Il y a toute la résidence qui brûle. Oh. C'est une catastrophe. Il y a un feu qui est parti d'un coup. Ça fait tout brûler. Regardez-moi ça. Peut-être que je m'intéresse à des détails qui sont peut-être pas importants, mais... Ah bah voilà. Moi je trouve que 6 c'est quand même important quoi, parce que s'ils sont là c'est fait exprès, regardez quand on zoome on a le son qui s'augmente, c'est... Voilà, c'est un savoir-faire. Hein. Bon là par contre il ferait bien de se débrouiller, de se dépêcher parce que ma maison commence à brûler. Voilà, ça se reconstruit, c'est magique, c'est tout simplement magique. Alors les poubelles. Ah, regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'ils vont nous demander? S'accumule, que fait le gouvernement de service de ramassage? D'accord, j'ai oublié le service de ramassage. Eh ben, j'en suis désolé, madame, hein, c'est... Petite erreur. Oh, regardez-moi ça, c'est tellement agréable. Donc, vous savez que c'est les eaux usées, vous savez, c'est quand vous tirez la chasse d'eau, ça fait... Et ça atterrit ici. Ah, quelle est délectable... Odeur. Je vais me taire parce que je dis n'importe quoi. Alors. Ah, j'ai pas fait une route qui avait ça, cette place. Oh putain. On est dans la merde. On est dans la merde, je vous le dis. Ouais, bon. C'est pas grave. Parce qu'on va le replacer. Voilà, bon, on place le château d'eau. Un peu pollué là sur le côté. Voilà, ça c'est fait. Et on va placer les poubelles. Monsieur Poubelle, toujours pas de place de l'autre côté? Ah, mais vous chiez, monsieur! Ah, oui, parce qu'il faut une grosse place conséquente, ouais. Attendez, bah on va faire ça. Non, parce que j'ai vraiment pas envie de le mettre de l'autre côté. Ça me dérangerait vraiment de le mettre de l'autre côté. Donc, hop. Voilà. J'ai oublié d'enlever deux petites parties.
Mais en tout cas, la place du vent est idéale, puisque ça va partir à l'extérieur de la ville. Et vous voyez ce que ça vient de faire. Donc, pour corriger le tir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Et vous voyez, là, la zone résidentielle a baissé. Et donc là, on va s'occuper de mettre un petit parc juste en face de la décharge. Un tout petit, mais ça permet tout de suite de remonter le niveau. Et ça corrige le tir. Voilà, regardez. Et voilà. Donc on va voir ce qu'ils vont me dire. Attendez. Cette vie pue au sens propre du terme. Débarrassez-nous de ces ordures. Et ben c'est déjà fait, madame. C'est déjà fait. Placer une zone de déchets. Elle est placée. Elle est en processus d'embauche. Ça va venir. Ça va venir. J'ai encore des maisons qui brûlent. Que font les pompiers? Où sont les pompiers? Les maisons qui brûlent, hein. Oh putain, ça s'est bien propagé quand même. C'est dingue. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre pour placer une école. Et pour des écoliers qui ne seront pas forcément de chez nous, hein, mais des écoliers qui viendront aussi des écoles qui viendront des résidences de la ville d'à côté. Je vous rappelle que celle-ci, je m'en occuperai au Let's Play. Pour faire quand même augmenter un peu. Je m'en suis toujours pas occupé, hein, c'est pour ça que vous voyez pas d'étape d'avance. J'ai pas eu le temps de trop jouer ces derniers temps. Je m'en excuse. Donc là, vous voyez, on a 1100 habitants. 1100 habitants, c'est rien. Mais c'est un début. Puisqu'on avait passé au-dessus des 2500, mais on est redescendu en dessous. On avait presque atteint 4000 et on est redescendu parce qu'on a pris beaucoup de riches. Donc c'est des personnes qui prennent 3 tonnes de place. Mais après, quand ils ramènent des buildings, c'est juste bueno. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on va voir ce qu'on peut faire. Alors, ça serait bien qu'ils embauchent. Parce qu'en fait, s'ils embauchent pas, bah moi, je suis dans la mouise. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler ces derniers problèmes de zone. C'est-à-dire qu'on va... J'ai pas envie d'augmenter encore celle-ci. Donc, on va placer un mini-parc juste dans le coin. Voilà. Et ça ne le ferme pas complètement, je suis dégoûté. Classique. Regardez, on va regarder dans les classiques qui vaut la peau des fesses. On va essayer de pas détruire trop de bâtiments en fait, c'est ça le truc. Bon, juste au milieu, j'ai pas trop le choix. Voilà. On s'occupe de ça, ça arrive, ça arrive. Et ça après, ça nous arrangera pour la suite puisque ça... C'est une partie de la suite, quoi, donc... Après, ça sera de plus en plus facile d'aménager par rapport aux habitants qu'il y a déjà. Hop, alors, qu'est-ce qui manque ici? Il va nous manquer un parc à cet endroit-là. On essaie de pas placer les mêmes, quand même. Bon, c'est pas dérangeant, c'est même bueno. Là, je vous parle aujourd'hui, je suis posé. Hein, mon but, c'est pas d'avancer le plus. C'est vraiment de voir ce qui est possible de faire. Ah oui, parce que j'ai posé une cloche en plus. Ah, des feux d'artifice. Ah oui. Ils veulent faire un feu d'artifice et éteindre les feux. Ayez moins de 5 incendies, c'est-à-dire qu'il faut tout soigner. Bon, c'est l'avantage, c'est qu'on va placer une cloche du coup. Pour qu'il se bouge plus. Et on va placer un camion, j'ai pas assez. Non, c'est pas grave. Vous voyez, là, on est déjà à 787 par heure. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a plus un rond. On va regarder la circulation. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de circulation. Tout est fluide. Entre-temps, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Regardez, on est passé à 863. 863 dans une ville comme ça, c'est rien du tout. C'est kochi. Quand on regarde, bon là les pompiers vont avoir certains problèmes, puisqu'eux ils font plusieurs feux d'artifice dans la même journée, hein. C'est amusant. Il y a moins de 5 incendies, on va essayer de gérer ça parce que...
ça serait vraiment cool qu'on arrive à avoir ça. Placer une décharge ou une zone de déchets. Une décharge existante. Bah, j'ai pas besoin en fait, madame. Puisque ma décharge n'est pas prête d'être pleine. Hein, mais c'est pas grave. Donc le mieux, ça serait après de retracer un cercle. Peut-être qui irait jusqu'au bout. Actuellement, on regarde la zone. Là, il va nous manquer tout ça encore à aménager ici. Éteignez plus de 10 incendies dans une journée. C'est bien. Mais c'est toujours pas bon. Il faut que je résiste encore 4 heures. On va voir. Il faut que j'évite de mettre ma main devant ma bouche si ça veut pas vous boucher ma voix. Désolé, je m'en excuse. Mais mes petits pandas comprendront. Mais ça, c'est ce jeu, c'est le jeu où tu peux jouer qu'à la souris. C'est-à-dire que là, j'ai ma main qui tient mon menton, et ma main sur ma souris, et je ne joue qu'à ça. Sinon, j'ai la main posée sur le clavier, et là, on peut tourner avec E et A. Et ça fait, là, quand on est posé sur le cercle central, ça rend super bien. Oh là là là. Voilà, comme ça. Ah. Alors, les pompiers ont certains problèmes aujourd'hui, on va dire. Ah, il reste 3 heures avant la fin. Ah, là, 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 là. Ah, putain. Ah, désolé. Ouh, désolé de ce que je viens de dire. Il est abandonné, il était en feu. Mais ça serait vraiment bien que j'arrive à gagner quand même. Si je pouvais gagner ceci, ça m'arrangerait fortement. Et vous comprendriez pourquoi. La prime est de 50 000 de densité moyenne. Alors vous voyez, là on va essayer de se mettre au milieu. Et voilà. Et du coup, il y a moins de 5 incendies. Et j'ai foiré. Je ne gagnerai pas l'argent aujourd'hui. Ah, Je suis deg. Ah, j'y crois pas. Foutus incendie. En fait, il m'aurait fallu plus de camions pompiers. Il nous faut plus de camions pompiers. Bah oui, bah j'ai pas l'argent, désolé. Vous voyez, j'ai plus d'argent. Ça, le problème, c'est que du coup, bah voilà. On va augmenter les impôts. Regardez, là on a augmenté de classe 2. On passe de 8600. Ouh. Ça augmente rien du tout. Par contre, les riches augmentent. Ça compense pas mal. Voilà, on va gagner à 1300 par heure. Et ça ne devrait pas les déranger. On va regarder le taux de satisfaction. Nous détestons ces bâtiments, donc ils doivent détester les bâtiments qui ne sont pas de leur même niveau, je suppose. Et ces germes nous ont ennuyés. Burke, c'est dégoûtant, contrarié, dû à nos enfants n'aillent pas à l'école. J'attends pour placer l'école. Nous détestons ces bâtiments, les peu fortunés qui doivent avoir des bâtiments. À moins que ce soit des bâtiments abandonnés. Attendez, on va voir ça. Oui, c'est possible. On regarde. Il n'en reste plus. On m'a dit qu'il en reste un. Voilà, il n'en reste plus. Donc on attend là. Pour placer l'école, c'est essentiel. Regardez. Là, on va pouvoir la placer. L'école juste là. C'est. Et comme ça, ce sera bueno. Et on va attendre. Attendez. Gouvernement. Voilà, je peux pas augmenter du tout parce que je suis à 980 sur 15 000. Mais du moment où ça va se mettre à augmenter, vous allez voir, ça va être une grosse tuerie. En fait, là, je verrais bien disparaître, voilà, toutes les Sims de peu fortunés, je les verrais bien disparaître. Parce que, voilà. C'est pas que je les aime pas, mais... ça aussi, j'ai envie de le placer. Ah, trop de choses que j'ai envie de placer. On va commencer par l'école primaire. Et c'est parti. Hasta la vista, baby. Voilà, donc ça augmente le bonheur. C'est important. Très important. Et là, regardez, on va placer plein de panneaux.
Alors les panneaux, je trouve que c'est un petit plus, puisque ça te bousille ton argent, c'est clair. Ça les rend super contents sur une grande zone, donc... Ça, je pense que ça vaut le coup. C'est à voir, ça dépend. Si vous en avez vraiment, vraiment besoin ou pas du tout. Voilà, parce que là, c'est pas des bus, hein, c'est juste des ramassages scolaires. Voilà. Et là, ils sont placés, regardez, les défis, les succès. Ah oui, j'en ai quasiment pas ici, des succès. Parce qu'en fait, ça dépend des serveurs auxquels vous vous connectez, et j'en ai quasiment pas. Ok, c'est pas grave. Donc, l'école est placée. Ce qu'on peut faire, nous... tout est en train de brûler. Là, derrière la caserne, il y a un tout petit bâtiment. Ah, du coup, ça a laissé la place pour un gros bâtiment. ok. Je réfléchis à ce que je peux faire, en fait. Bon, on va faire ça, regardez. Naturel. Hop, j'ai découvert ça très récemment. C'est très sympa. Voilà. On place un peu partout. Et vous allez voir ce que ça fait. C'est magique. Bon, surtout là. Parce que regardez, là vous voyez rien, c'est sûr. Je sais pas si j'en ai déjà placé avec vous. Je ne sais pas, je n'en suis pas sûr. Voilà, ça a poussé de partout. Ah. Et notre ville est une ville verte. Pas assez de Sims Lose. Ah oui, effectivement. Alors là... Ouf, c'est quand même important. C'est important, important. Bon, ce qu'on peut faire, c'est les augmenter eux. Puisque on va de toute façon devoir augmenter, voilà. Et c'est parfait ce que ça vient de faire. On regarde du point de vue de la zone verte, là. Voilà. Voilà, c'est juste des petits trucs. Ayez 50 bâtiments commerciaux de 3 Sims Loose de faible densité dans votre ville. C'est fait. C'est bien. C'est vraiment bien. On va juste augmenter ça. Voilà, et ça ne descend pas jusqu'aux habitations. Oh, ça fait chier. J'ai pas assez. Font fureur face au problème de surpopulation. Les Sims optent pour la maison de ville, une alternative chic à l'appartement. Ah merde. Oh. Ah bah regardez. On va suivre le développement. Ça c'est quoi? C'est une habitation hein. C'est des habitations. Et je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc en tout cas j'espère que ce nouvel épisode de Let's Play vous aura plu. Nous on se retrouve très prochainement dans un très prochain épisode. La semaine prochaine. Voilà, c'est construit. C'est des immeubles. Ça peut servir. C'est toujours économique. Donc voilà, on se quitte. On a plus que 1220 par heure, 915 habitants. On a régressé. Mais vous allez voir qu'au moment où les buildings vont apparaître, ça va se sentir. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, bye bye. C'est Natech. On se retrouve la semaine prochaine pour ce Let's Play SimCity, les pandas. En tout cas, je vous laisse cliquer sur les deux dernières vidéos que j'ai mis en ligne dans l'outro. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. C'est Natech.